aleph lam shin Approchez-vous et contemplez ces pierres. Observez attentivement ces pierres pendant quelques minutes sans les commenter et sans les juger. Vous les observez instant après instant. Observez leur forme, leur couleur, leur emplacement, mais sans les commenter et sans les juger. Observez-les. Laissez la, matière parvenir, laissez la matière parvenir à votre œil instant après instant. Dans cet exercice, très rapidement. Des pensées vont se présenter à votre conscience. Accueillez-les dans votre champ de conscience. Et avec beaucoup de compassion et beaucoup de fermeté, repoussez ces pensées et mettez votre attention sur ces pierres instant après instant. Vous l'aurez compris, très rapidement, des pensées envahissent votre champ de conscience. Et à nouveau, repoussez avec fermeté et compassion ces pensées. Et laissez votre attention sur les pierres qui parviennent à votre œil. Instant après instant. Voilà. Vous pouvez faire cet exercice. les jours quand vous le voulez qui est un exercice de pleine conscience et vous verrez qu'avec l'habitude vous allez attacher à vous l'esprit pur mais revenons à ces pierres il y a un problème il y a un problème et je suis dans la confidence vous vous ne l'êtes pas mais vous devez savoir qu'il y a un problème avec ces pierres. Je vais vous aider. Je vais mettre quelques pierres de côté. Trois précisément. C'en est pas. Ma main droite s'appelle Jafette. Et nous avons fermé ces trois pierres. Ne sont pas des pierres. pour que tout le monde voit. Ces trois pierres ne sont pas des pierres. C'est une illusion. Je vous présente la mire. La matière qui se trouve devant vos yeux n'est pas d'origine minérale. C'est une illusion. C'est du végétal. Adam, après avoir conversé avec l'ange, décida que le troisième objet de sa magie sacrée serait la mire. Noé, à la sortie de l'arche, donna l'or d'Adam à Cam, l'encens à Chêne, et il remit à Japhet l'ami. À la sortie de l'arche, Noé prit le corps d'Adam. Cam prit la mire Shem prit l'or d'Adam. Japhet prit l'encens. Ensuite Noé dut attribuer trois régions du globe céleste à ses trois enfants. À chaque région du globe correspondait un objet sacré du serment d'Adam. Japheth alla vers le nord avec la mire. Shem alla vers l'est avec l'encens. Cam prit la route du sud. Ouest avec l'or d'Adam. Ces trois objets devaient être remis au Fils de l'homme. Deux objets lui sont parvenus l'or d'Adam, l'encens. Le troisième ne lui est pas parvenu. Là, je sens, je, je pense que es un petit peu en travers. Il faut que tu rebascules comme ça. T'es pas droite, bébé. Ce pied-là est trop au truc. Donc. Non? Pousse-le vers l'intérieur. Voilà. Essaye de te remettre droit. Après, c'est bon, voilà. Les descendants de Japhet ont le choix. Soit ils considèrent que c'est du minéral, soit ils considèrent que c'est du végétal. Soit ils matérialisent, soit ils spiritualisent. Soit ils fixent, soit ils rendent subtil, à l'instar des végétaux. Les temples celtes étaient des temples vides. Car le temple des Celtes était la forêt, la nature. L'histoire nous a appris qu'ils n'ont pas fait ce choix. Et aujourd'hui, les descendants de Japheth, utilisent leur pouvoir de matérialisation les enfants de japhet utilisent ce pouvoir de matérialisation du monde des esprits sans commune mesure et ils ont oublié que la mire était du végétal. Où sont vos dieux celtes Où sont vos rites Où sont les rites de vos dieux Les druides savaient-ils que cela finirait comme ça Pourquoi ont-ils fait installer des menhirs sur tout le sol d'Europe Connaissait-il la fin? Y a-t-il que qui connaissaient la fin? Les Égyptiens connaissaient-ils la fin? Nous, Hébreux, selon les travaux des Lévites, conformément aux recommandations de Moïse et à l'Alliance du Sinaï, nous devions faire l'huile d'onction à base de myrrhe. Selon le règlement RADA. de la Grèce.